Bonjour, nous sommes mardi 13 février. Je viens d'aller, parce que ça commence un peu à m'angoisser si vous me suivez, pas carrément au siège du menuisier. Ça faisait 15 jours, j'avais pas de réponse. Je suis tombée directement sur lui. Il m'a dit, justement ça tombe bien que vous soyez là. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ça va être trop beau. Il m'a dit, j'ai même pensé à un truc encore mieux. Je pense que les travaux, ils vont se faire d'ici. Il m'a dit à peu près 2 semaines. Donc ça c'est cool. Il est même pas venu accueillir sa mère celui-ci. Voilà, son radiateur. Je compte plus. Bon, je monte, je vais bosser. Je viens de recevoir un appel d'Eric, là. Il reprenait les cours à 15h. Nous sommes le 13 février, comme je vous disais. Et il me demandait si ça me disait que ce soir, on allait manger au restaurant, plutôt que demain, 14 février, où il risque d'y avoir plein de monde, et d'autant plus qu'il n'a pas cours, apparemment, il ne travaille pas du tout, demain, toute la journée. Donc j'ai trouvé l'attention hyper chouette, c'est cool, d'autant plus que je sais à quel point c'est pas du tout, mais pas du tout son délire, la Saint-Valentin, hein. Pour lui c'est commercial, bref, c'est quelqu'un qui me fait très souvent des attentions, même tous les jours, mais ce côté, voilà, Saint-Valentin, tout ça, non. Il m'a laissé entendre aussi que, vu qu'il ne travaillait pas demain, on risquait peut-être d'aller se promener, faire un truc, donc je trouve ça très très chouette. Par contre, il est déjà 15h30 et que demain probablement on sera peut-être pas là. Il va falloir que je m'avance à fond la caisse parce que là j'ai déjà reçu 2 produits de la box de février, je risque d'en recevoir demain ou après-demain et là il faut que je fasse tous les bordereaux, ça prend un temps fou, ainsi que le cartonnage avec pointage, vous savez, l'encre de mon logo. Voilà, je vais faire ça une bonne partie de l'après-midi. Il est 18h30 et ben, j'ai super bien avancé, vraiment vraiment, j'ai fait un tiers des bordereaux, un peu moins d'un tiers, ouais, des bordereaux. J'ai fait, pareil, un peu moins d'un tiers des cartons. Donc, c'est déjà super bien. Et je me suis changée. Voilà. J'ai fait un mélange de 2 petits rouges à lèvres que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant. Ils étaient tous les deux rouges, mais avec des nuances différentes. Voilà. J'ai envie de manger de la viande. Et notamment, une qui est à la carte, elle est déjà tranchée. Et ils ont une sauce, mais c'est fabuleux. Même ceux qui n'aiment pas la viande, je suis sûre que tu es obligée d'aimer tellement c'est bon. Je suis tellement à l'aise avec ces bottes. Donc nous sommes arrivés, c'est un petit peu réveillon quand même. Moi j'ai pris du saumon avec chutney de betterave, je crois, mangue, des petits toasts, c'est beau, non? Ouais. Le plat est arrivé et c'est le fameux plat qui me fait rêver. Il est exceptionnel. En fait, il y a des petits bouts de raisin aussi. Je crois que c'est ça. Et puis la sauce, c'est une sauce au vin. Je filme hyper bien l'andouillette parce que là, je vais faire un plan dont tu vas me dire des nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Rapproche ton assiette du bord de la table. Merci. Tourne-la maintenant. Tourne-la. Qui veut la tourner? Je suis en train de me brûler en fait là. C'est pas grave. Et t'as envie de faire quoi demain? Partir à l'ouest. Partir où? À l'ouest. C'est toujours ouest. Ah ouais? Quand tu sais pas quoi faire, pars toujours vers l'ouest. Ok. Profiterole. C'est bon? Ouais, elle est belle. Hein. Et ben moi je me suis fait mon petit café gourmand. Bonjour, bonjour. Ben, nous sommes le lendemain, hein. On s'est régalé, vous avez vu. On n'est vraiment pas rentré tard, mais oh, ça fait du bien. C'était vraiment chouette. Et comme je vous disais, aujourd'hui, on aimerait bien aller se promener. Peut-être même manger, tant qu'à faire, c'est Saint-Valentin. Voilà. Le problème, c'est que j'attends une livraison UPS entre 9h45 et 12h45. Là, il est 10h50. Et midi 45, ça ne m'arrange pas, parce qu'il y a quand même derrière 40 minutes de route. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que ça arrive un petit peu plus tôt. Mes cheveux, vraiment, je suis contente. Hein. J'ai pas refait. J'ai fait seulement une fois le protocole avec ma nouvelle gamme. Mais je les trouve beaucoup plus beaux. Donc demain, je pense que je vais refaire le deuxième. Je vais retirer évidemment ma petite veste pilou-pilou confort. Je suis tellement bien là-dedans quand je travaille. Parce que oui, je travaillais là ce matin. Je faisais le point et j'ai reçu des prototypes. Enfin, quand j'appelle prototype. Pour la box quoi, à tester, mais chouette, mais tellement beau pour la box de mars. Actuellement, du coup, en commande, puisqu'on est passé là à mars. J'ai reçu le prototype du bijou et d'un deuxième article et d'un troisième article, mais tout ce qui brille. Voilà. C'est déjà marqué sur le site le thème de mars. Tout ce qui brille. Je crois qu'il y a la livraison là. Bon, je suis contente, j'ai reçu le troisième et le quatrième article. Par contre, j'ai ouvert grossièrement pour vérifier, mais je ferai l'inventaire en rentrant. On est arrivé à Chartres, la Saint-Valentin peut commencer. On sait pas du tout où on va manger. C'était quoi? C'était une poêle. Oh, attends, je suis coincée. Bonsoir. Il a plu. Voici pour les sauces. Merci. Merci beaucoup.
vous montre hein, quand même. C'est tellement bon. Nopal à 95%, tout est fait maison. C'est exceptionnel. On peut s'arrêter à l'atelier du chocolat. Oui. Si jamais je vois un truc, hein, parce que. Bien sûr, j'entends bien. Dans ma tête, j'ai un truc bien précis. Bien sûr. Alors, attends. Alors. Bon, du coup, ouais, tant mieux. Ça, ça m'intrigue. Feuilleté d'or, choquilas. Donc là, vous êtes sur un praliné classique en robe de crêpe dentelle. Ok. C'est croustillant et fondant. On va faire ça, moi, à la limite. Bah, suis... Parce que ça, tu peux goûter des trucs. Je suis d'accord. Et eh ben, on part sur ça. Alors, la différence, c'est quoi? Et quand on aime les deux? Vous allez avoir celui-ci noir et gris. Et ben voilà. Je vous montrerai à la maison. J'ai été me faire rembourser. Enfin, vous savez, j'ai regagné quand j'ai été chercher mon ticket. J'ai regagné 20 euros. Donc là, Eric m'a dit bon, reprends deux tickets. Plus, fais un tirage Saint-Valentin. Fait comment? T'as fait bon. Donc on a repris. C'est la Fnac qui m'a fait un cadeau. Qu'est-ce que tu m'as acheté à la Fnac? Il y a peut-être le prix dessus. Alors tu regardes pas le prix? Oh non. Ça te plaît pas? Bah si, elle est jolie. Non, ça te plaît pas? Bah si. C'est les petites figurines. Très Saint-Valentin. Hein. Si, elle est belle. Hein. Elle ne plaît pas. Regarde pas, il y a le prix. C'est cher. Regarde le prix, toi. Elle est belle. On la regardera mieux à la maison. Oui. Ça me donne envie de faire une petite vitrine parce que je commence à en avoir pas bah mal. Oui. Tu vois, et puis ça change du parfum. Ah, ça veut dire que tu mets du parfum, ça. Ah, pas du tout. Si, si, bah non, je te connais. Quand tu dis ça change du parfum, c'est... Pas du tout. Tu ne dis jamais rien par hasard. Pas du tout. Non, mais tu prends pour un débile ou quoi? Ah là là, mais t'es... Ça change du parfum, ça veut dire que tu voulais un parfum, ça. Mais non. Bon, on est au... Comment ça s'appelle? Centre commercial. Où il y a H&M. Moi, j'aime bien prendre mes sous-vêtements chez H&M et j'ai plus de soucis. Vêtements pétés. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve qu'ils sont bien, en tout cas. Et la para, pharmacie. J'étais à H&M, j'ai trouvé ce que je voulais, même plus. Et là, je suis à la para pharmacie. Il est possible qu'il y ait un petit craquage. Dernier stop à Maison du Monde parce que j'ai un petit projet. Si je trouve ce que je veux, ça peut être super, vraiment super. De retour à la maison. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'à la base, c'était pas vraiment ce qui était prévu hein, de faire du shopping comme ça. Et je me suis un peu laissée... Bon, il est 5h38, j'avais un rendez-vous en fin d'après-midi. Il fallait que j'appelle une marque. Du pain pour demain matin, avec des petits pains au chocolat. Et j'appelle la marque. Et après, je vous reprends, qu'on prenne le temps de bien regarder les choses. C'est bon. J'ai eu la marque. Alors, on va se poser, on va regarder ensemble. Je vais regarder de nouveau, parce que franchement, je l'ai regardé rapidement, la figurine, mais je pense qu'elle a l'air super jolie. Je vais la mettre seule sur un petit support ou une étagère, parce que je pense qu'elle a des petits détails. Eric m'a dit, regarde bien, il y a plein de petits détails. Elle est finement faite, c'est vraiment un bel objet. Arrête ! C'est pas possible, ce genre d'attitude. Elle est vraiment très très jolie. Regardez, alors, les bas, la résille... Le détail, la petite chaîne qui est autour du cou, c'est mignon. Hein, ah, j'adore. Je suis très contente. Ensuite, je vais vous faire un petit haul en fait. Hein. Ce sera plus simple. Je détache mon jean. Il me sert trop en parapharmacie. Je partais à la base pour micellaire, pour un démaquillant. Donc j'ai pris de la marque SVR qui est une excellente marque qui n'est pas excessivement chère pour la qualité sans si fine. Il est perturbé dans son délire, mais il est en train de se frotter au sac. Donc, là, je vais faire comme ça. Voilà, donc ça, c'est sensible. C'est pour les peaux sensibles, hein, je pense. Ah, le retour du frottage. Ça va? Nettoyant, démaquillant, anti-rougeur. Et c'est également apaisant. Peau à tendance, coupe rose et maquillage waterproof. Pareil, de la même marque. SVR. Hop. Une petite crème qui est pour peau sèche à très sèche. J'ai pas la peau sèche à très sèche, j'ai la peau mixte, mais le soir j'aime bien qu'elle boive, donc j'ai voulu qu'elle soit assez dense. C'est très concentré, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Gros kiff, Filorga, c'est une excellente marque, évidemment, ça faisait un moment que j'avais pas acheté une gamme Filorga. C'est Saint-Valentin, donc j'ai pris Hydra AOX. C'est 5 puissants antioxydants anti-âge. C'est un sérum. Et là, ça me met en joie parce que bah, j'ai hâte, c'est nouveau. Enfin, attention, quand ils disent nouveau, ça se trouve, ça a déjà un an ou deux. Mais bon. Voilà, j'ai hâte de tester. Oh, il est beau en plus. Vous avez vu, c'est une petite pompe là-haut. Oh, ça
très très bon. Ensuite, alors, H&M. Je vous dis, moi j'aime bien acheter mes soutiens-gorge là-bas, j'en ai trouvé deux. Je vais pouvoir jeter, j'en ai un blanc, je sais pas quoi, depuis combien d'années je l'ai, et il me fait tellement mal que les baleines, voilà, métalliques, me rentrent dans la peau. Un petit rose comme ça, c'est très mignon. J'ai pris un noir classique, un peu plus sportswear pour être confortable. Voilà, il y a un bon maintien. Et j'ai pris également de la nouvelle collection, je crois, un petit pull comme ça. Un peu crochet, donc transparent évidemment. Les manches sont amples. Et pour aller avec, il y a tellement de motifs de chemise. J'ai pris cette chemise. Voilà, rayure. J'ai l'impression que ça peut être pas mal. L'ensemble, je ne l'ai pas du tout testé. Je testerai, je pense, demain ou prochainement. Ensuite, je vous ai dit ou pas, je suis allée chez Pomme Cannelle. Ce sont des petits bijoux fantasy. J'ai trouvé deux petites boucles d'oreilles. C'est des earcuffs, donc c'est sans trous. J'en ai un. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 trous, moi. Mais j'aime bien le côté earcuff en argent massif. Ça change du doré. Moi, ça me gêne absolument pas de mixer. Donc, le petit sac tout mignon, en plus, c'est que le parfum. Ah, ça sent encore bon. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais je suis passée donc rapidement chez Maison du Monde. J'ai vu potentiellement ce que je recherchais. Des feuilles séchées, des fleurs séchées de différentes couleurs. Il y avait un bouquet comme je voulais pour après le travailler, faire une petite création. 70 euros le bouquet de fleurs séchées. Ça va pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais trouver autre chose. Enfin, en tout cas, je vais chercher ailleurs parce que je suis persuadée que je vais pouvoir trouver un prix beaucoup plus raisonnable. Donc, deux petits sachets dans lesquels nous avons... Je regarde parce que c'est des toutes petites pièces, c'est délicat comme tout. Alors, il y a deux modèles qui sont assez similaires. Et le deuxième, c'est des petites boules. Vous voulez que je vous montre? Oui, oui, ok. Tac, tac. C'est sympa, hein? Voilà, ça c'est Eric quand il reçoit un message. Chewbacca. Je vais le retirer par contre. Cette vidéo se transforme en haul. Ensuite, Calzedonia. J'adore leur collant. D'ailleurs, celui que je portais hier soir, c'était un Calzedonia. Il y avait une offre. Il y avait trois collants achetés, le troisième à moitié prix. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris celui-là, c'est le Total Shaper Premium. Il est sculptant. Il est noir. Hein. Et celui-ci, je l'ai pris en deux exemplaires. Je crois qu'il est à 10 euros initialement. J'ai pris une taille 3. Habituellement, je prends taille 2. Mais elle m'a dit que chez eux, la taille 2, taille vraiment petit. Et moi, j'aime bien être quand même à l'aise. Et j'en ai pris un comme ça, presque résille. Voilà, là, vous allez peut-être voir. Pareil, taille 3. Donc, très chouette. Donc, voilà. Ah, et puis, chocolat. C'est pour nous deux, hein, bien sûr, au moment du café, notamment, je pense. Dans un beau sac. C'est Eric en fait, en partant, il dit, tu veux pas qu'on prenne ça plutôt? Parce que là, c'est trio, il y a chocolat blanc, chocolat lait, chocolat noir. Et t'as un gros aussi, il est très lourd, à base de ganache, c'est joli. Hein. Voilà, moi qui voulais mon petit chocolat pour la Saint-Valentin, je pense que c'est bon. C'est sympa ça, hein, en cadeau, je trouve. Ça le fait, hein. Moi je préfère ça, recevoir ça que des fleurs. De toute façon, je peux pas avoir de fleurs avec Jack. C'était une très chouette Saint-Valentin, dis donc. Pour un gars qui déteste la Saint-Valentin. Ah, vas-y, je vais le laisser. Je vais essayer. Et après, je le mettrai au sale. Attends, je coupe quand même là. La chemise. Bon, ça va, hein. Ah, tu vois. Ah, j'avais pas vu. Là, t'as pas d'autres boutons. C'est pas moche. C'est pas moche. Et donc, j'avais dans l'idée de rajouter ça, voir comment ça rend avec. Ah, là, j'ai un doute. J'ai comme un doute. C'est pas moi, en fait. Je sais pas, là. J'ai l'impression que c'est mieux sans la chemise. Non? Ça fait peut-être moins classique. Je sais pas si j'aime ça. S'il n'y a pas un petit côté un peu ringardos. Je vais tout ranger. Je sais plus où donner de la tête tellement j'ai de choses là. Je me rapproche du peu de lumière qui reste. Bah, je vais arrêter ce vlog finalement qui s'est transformé en haul. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, on se retrouve, du coup je suis perturbée puisque j'ai publié jeudi au lieu de publier mercredi. Je sais pas si la prochaine vidéo sortira dimanche exceptionnellement ou vendredi, je vous redis ça de toute façon sur les réseaux. Suivez-moi sur Insta. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Ciao.